Face à l'océan Atlantique, la Corogne est une ville dont l'histoire est étroitement liée à son ancien port de pêche et de commerce. La péninsule sur laquelle se trouve le centre historique abrite, outre la tour Hercule, l'un des symboles de la ville, un intéressant ensemble roman de rues, de places et d'églises médiévales. À l'origine, la Corogne fut peut-être un site celte, mais l'histoire de la ville a commencé à prendre de l'importance à l'époque romaine, quand le port devint un passage clé des routes de navigation. La Corogne possède un important port où font escale les bateaux de croisière en provenance du nord et du sud de l'Europe. Au port se trouvent les typiques maisons à galeries blanches et vitrées du 19e siècle qui ont valu à la ville d'être surnommée la ville cristal. L'hôtel de ville se trouve sur la plaza de Maria Pita, centre névralgique de la ville. C'est un bâtiment élégant et monumental construit au début du 20e siècle. Costa da Morte s'étend sur la partie nord-ouest du littoral galicien, sur plusieurs dizaines de kilomètres dans la province de la Corogne. Sur cette côte, nous trouvons des plages désertes, des anses et des falaises.